On live tous les samedis à 14h sur Twitch. Et spécialement le samedi, c'est Sensei Awakening, c'est ce jour de la semaine où c'est ça. Donc je vous invite à venir, on fait plein d'autres trucs cool. Mais le samedi, c'est ça. Donc le jour où je posterai ces vidéos, ça sera l'après-midi même. Yo, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sensei Awakening. Et aujourd'hui, on va aller voir ensemble comment je stuff mon petit Milo. Et oui, ça y est, je l'ai eu avec mon Reaper Close. J'ai pu le monter 300 ans après tout le monde. Je sais, comme d'hab, hein, je suis en retard. Mais là n'est pas la question. On va aller voir tout simplement comment je l'utilise, comment je m'en sers, comment je le stuff. Et vous faire des démonstrations niveau PVP, tout ça. Ce qui est assez cool. En plus de ça, j'ai une petite nouvelle là. Dernièrement, j'ai un peu fait du PVP. Parce que d'habitude, j'en fais presque pas. Je fais que mes 3 victoires par jour. Et je suis tombé Mortal 5. Donc, ma foi, c'est plutôt cool. Voilà, ça fait plaisir. On va peut-être essayer d'aller chercher le légendaire avant la fin de la saison. Ce qui est un niveau plutôt correct. Et puis, ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je fais un peu plus de matchs. Et puis voilà, on va essayer d'aller chercher ça ensemble. On va commencer d'ailleurs par aller voir tout simplement comment je stuff mon Milo. Et puis après, on ira faire un ou deux petits combats PVP. Vous inquiétez pas pour vous montrer tout ça. Donc, Milo. Alors, Milo, il est sorti il y a très longtemps. C'est un perso qui était disponible dès la sortie du jeu. Donc, certains l'ont eu beaucoup de fois. D'autres moins, ce qui est mon cas. J'ai eu une seule fois d'invocation. Et sinon, je l'ai eu aux éclats. Donc, sachant que depuis le début du jeu, vous pouvez récupérer des éclats sur les coffres en or. Je pense que vous en avez quasiment un aux éclats aujourd'hui. Si vous allez checker dans vos éclats, je pense que vous avez de quoi faire à ce niveau. Donc voilà le petit Milo. Alors bien sûr avec son Reaper Close, donc les conditions pour le Reaper Close, c'est d'avoir tous ses membres en fait de son armure. Et puis qu'il soit level 80, vous montez tout ça. Et vous allez débloquer tout simplement sa nouvelle compétence. Donc pour commencer, on va d'abord aller voir les compétences d'ailleurs. Alors au niveau des compétences, le mien n'est pas beaucoup monté, malheureusement j'aurais aimé qu'il soit mieux monté, mais bon j'attends des doublons. C'est pas vraiment rentable de mettre des tomes de compétences dessus, c'est un perso qui est sorti il y a assez longtemps comme je l'ai déjà évoqué. Et il tombera un jour ou l'autre, même si malheureusement c'est full RNG. Donc je suis en 2-1-1-2, j'aurais préféré être en 3-1-1-3 qui est beaucoup plus fort. Alors le premier skill, ça va être un skill tout simple, ça va être l'auto-attaque comme avec tout le monde. Il va infliger de 100 à 120% de dégâts physiques. Le deuxième skill qu'on n'utilise plus aujourd'hui mais qu'on utilisait à une époque, ça va être que votre attaque de base, donc la première que je viens de vous montrer, elle aura 70% de chance de déclencher des attaques supplémentaires en fait. Donc jusqu'à 3 attaques, c'est un truc qui faisait qu'il était très fort au début du jeu d'ailleurs, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus rentable de le jouer full auto-attaque avec une Luna ou encore un Shenades. Et tout simplement, vous allez voir pourquoi avec ce skill-là. Donc, lorsque Milo attaque une cible, il lance une aiguille écarlate. Donc, ce sort-là, c'est le sort immobilisation, mais éveillé. Donc, c'est lorsque vous avez le Reaper Close qu'il s'active. Aiguille écarlate critique sur deux cibles au hasard. Ça veut dire, lorsque vous attaquez une cible, en fait, il va poser une marque. Je vais vous montrer plus concrètement après ça en PVP, mais il va poser une marque sur deux cibles au hasard. Sachant que son auto-attaque, il va toucher deux adversaires. Chaque aiguille a 20% plus change de statut d'infliger saignement. Et en plus de ça, l'effet se cumule jusqu'à 5 fois et inflige des dégâts équivalents de 1 à 57% de la santé max de la cible avant qu'elle n'agisse jusqu'au nombre de cumuls multiplié par 140% de l'attaque pendant 2 manches. Donc voilà. En gros, on va avoir des stacks sur le perso et plus il aura stack. À un moment, ça va péter et ça va faire énormément de dommages. Je vais vous montrer ça juste après en PVP. C'est un perso qui est très simple à jouer, hein. Il n'y a pas vraiment de gros skill à avoir dessus. Et le dernier skill, donc, la deuxième aiguille écarlate lancée sur la même cible vise Antares, ce qui inflige 70% de dégâts physiques. La troisième aiguille écarlate lancée sur la même cible inflige 410% de dégâts physiques. Donc de 390 à 470%. Et c'est pour ça que c'est très fort en fait de lui mettre de la double attaque pour apposer le plus d'aiguilles écarlates sur le perso. Alors au niveau du 8ème sens, voilà, on va avoir du 6-6 pour les deux branches d'attaque physique. Et au niveau des PV, je vais être sur du 5 ici et du 4 là. Ah bah tiens, d'ailleurs j'ai assez pour, hop, pour la montée, on va le faire. Ok, ça donne aussi un peu de restatus, ce qui est assez cool. Au niveau des cosmos, donc on va être tout simplement sur du pire P. Pourquoi? Bah pour avoir un maximum d'attaque P. L'attaque P, ça va être la principale caractéristique du perso. Il faut vraiment qu'il soit très fort et qu'il inflige beaucoup de dommages. Alors, bien sûr, c'est le Milo comme j'ai stuff là. Je trouve pour l'instant que j'ai un stuff qui est pas mal du tout.
Après, c'est pas la version finale, même si pour le coup, lui, je le pense, il est ok pour moi. Voilà. Il est ok. Donc, on va avoir des pierres P. Donc, ici, double attaque P et vitesse en SS, c'est très bon. Ici, triple attaque P. Donc, j'attends d'avoir du matériel à raffinement pour choper celle-là. Elle est très belle pour le coup. Et ici, on a du attaque P, PV et vitesse 100%. Voilà, double ici, attaque P, vitesse. En gros, c'est d'attaque P, vitesse ou du double attaque P. Voilà. Et on va voir ici des feux de cristal. D'ailleurs, qu'il faut que j'aille farm. Justement, s'il y a des runes que je dois changer, c'est celle-ci. Parce que c'est mieux de les avoir en SS pour avoir un peu plus d'attaque P et de vitesse. Donc, on a des doubles attaque P. Et on, bien sûr, on a une Felina, tout simplement, pour infliger plus de dégâts, sachant qu'il n'utilise pas d'énergie. Donc, vous avez les 50% de la Felina qui sont toujours actifs. Au niveau des stats finaux, ça donne ça. Donc, le PV, on va avoir du plus 24 000. Ça, c'est pas incroyable, mais c'est pas mon but. Au niveau de l'attaque P, on va avoir du plus 7 672. Mon but, c'est d'aller jusqu'à 8 000. Je pense que c'est plutôt ok à ce niveau-là. Attaque C, c'est pas intéressant. Défense P, défense C, c'est parce qu'il va nous intéresser plus. La vitesse. Alors, la vitesse, il y a deux écoles. Soit vous avez un Milo qui est super rapide, soit il faut le faire un peu plus lent. C'est vrai que je suis en train de regarder pour enlever quelques runes vitesse afin qu'il joue après. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que lorsque vous avez Shenades en fait et que votre perso n'a pas encore agi lors de la manche d'action, et bah si l'adversaire vous tape, en fait vous allez vous heal. Donc c'est plutôt très fort et là on va sur une méta qui est un peu plus lente. Donc c'est mieux de peut-être de perdre un peu de vitesse pour gagner de l'attaque physique. Donc là j'ai que 365 de vitesse. Mais je peux monter facilement jusqu'à 420. 420 mais j'ai pas envie. Donc à voir même si je vais pas baisser un peu plus pour gagner un peu plus d'attaque. Donc voilà pour ce qui est de comment j'ai stuff, de comment je l'ai monté. Et puis on va aller tout simplement regarder en duel galactique comment ça se passe en espérant que je perde pas. Allez let's go. C'est parti. Donc sachant que Milo il peut être ban. Auquel cas bah il y aura une coupure hein, tout simplement. Les bans, c'est souvent soit Milo, soit Miyu. Bon, allez, j'espère celle-là, on va pas me ban Milo. J'espère. Stylé le terrain. Hein. Ouais, ce terrain, il est grave cool. Je sais pas, il vient d'où. Je sais pas si c'est une référence, mais... Il est grave stylé. Alors, on va voir ce qu'il joue en face. Il joue pas Evil Saga, il joue Ikki. Moi, je vais ban... Ouais, je vais ban son Miyu. En fait, le problème, c'est que... Ça joue beaucoup... Alors, il va pas ban Shenades. Ça joue beaucoup au taunt de Misty, en fait. Si Misty taunt pas, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. C'est ça, le problème, en fait. Et que Misty coopère pas beaucoup. J'ai plus d'une chance sur deux de taunt l'adversaire, mais bon. Il est pas très coopératif, on va dire. Ouais, écoute, on va tester comme ça. Je sais pas ce que ça va donner. Ah, mais non, je suis fou. J'ai besoin de Misty pour taunt pro, je l'ai viré. J'ai besoin de Misty pour taunt. Du coup, est-ce que j'enlève Poséidon ou pas? C'est ça la question. Est-ce que j'enlève Poséidon ou pas? Sachant que Poséidon, non, je peux pas enlever Poséidon. Est-ce que j'enlève Yoga Pog? Allez, on va tester un truc que j'utilise pas souvent. Normalement, je vire pas Pog, mais bon, on va tester. Ah, il utilise Evil Saga du coup. Bon, il l'utilisait pas dans ses compos habituels. Du coup, je vous avoue que. C'est pas ouf pour moi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va double tour Chimilo pour vous montrer tout ça. Alors, une technique qui consiste à mettre un coup à 1 d'endurance avec mon Misty pour que Isaga vienne l'attaquer. Mais si j'aurais fait ça, en fait, le Ikki se serait tout simplement transformé. Je vais éviter ça à tout prix. Vous voyez que là, le Milo adverse, il joue après moi. Du coup, si je le tape, il va se heal tout simplement. J'aimerais bien... J'aimerais bien frapper Jamian et tuer. Je pense pas que je pourrais ce tour-ci, on va essayer. Oh là 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 là. Jamian qui résiste. Euh...
Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'acide. On va mettre l'acide. Et puis voilà, on va mettre l'acide. Alors, faut voir Posidon, je pense que ça va être compliqué là. En plus, il a mis l'eau. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué, c'est lié. Ah bah non, finalement. Finalement, j'ai un peu de chance pour le coup. Il n'arrête pas de se prendre l'acide de Poséidon. Par contre, là, Isaga, il va m'en tuer un. Hein. Il va me tuer peut-être Luna. Il va me tuer Luna. Bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de taunt Jamian. Allez. Alors, on a taunt Jamian. Du coup, même s'il se transforme, il n'aura pas de heal derrière. Donc, on va pouvoir tout simplement lui infliger des très gros dégâts. Sachant qu'en plus, il focus. En fait, là, il va se détransformer directement. Regardez, hop. Voilà. Il va se détransformer directement. On va essayer de. Je sais pas si on peut tuer le Milo adverse. Ah non, il n'a pas encore joué. Il n'a pas encore joué du coup. On tuera avec. On tuera avec. Comment il s'appelle? Avec. Miyu. On va essayer de taper ici. Hop. Ah bah. Ouh là là! Ah oui. Ah oui, ça rigole pas trop. Les dégâts, comme vous avez vu, sont au rendez-vous. Hop, on va taper Iki ici. J'ai pas mon double tour, donc ça va être compliqué de faire plus. J'ai utilisé zéro énergie. Lui, il en a pas utilisé non plus, je crois, de mémoire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien descendre son Isaya. Ah oui, mais j'oublie à chaque fois qu'il y a de la protection de Shanades et du coup, il se prend pas beaucoup de dégâts. Il va me tuer mon Milo. Ouais, il va me tuer mon Milo. Alors là, j'ai fait une erreur. J'aurais pu le. Tout simplement le voile. J'aurais pu voile mon Milo. Mais je l'ai pas fait. Pourquoi? Bah, parce que j'ai oublié. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre raison. Du coup, là, je suis en capacité normalement de tuer son Isaga. Je vais pouvoir jouer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler son Shanades. Voilà. Alors, j'ai deux solutions. Oh, Ouais, je sais pas. Si, vas-y, allez. Parce que son Isaga me pose vraiment des problèmes. Hop, voilà, c'est fait. Quand vous voyez Miyu qui carry clairement le fight. Alors, comme vous l'avez vu, en fait, le Milo sert beaucoup en early. Et Miyu carry le reste du fight. Normalement, il vous banne un des deux, mais là, j'ai pu jouer les deux. Il m'avait ban Shonades. Donc, avec Shonades, c'était encore plus fort. Hein. Le Miyu, il serait évolué beaucoup plus vite. Et ouais, j'aurais eu plus de facilité à faire les choses, mais bon. Foncièrement, ça change pas grand-chose. J'ai mis Luna à la place. Au début, j'ai sacrifié. Milo, il a fait très bien le taf. Il a assuré l'early. Et puis derrière, Miyu vient prendre le relais, tout simplement. Donc c'est comme ça que je le joue. Bon, après, c'est pas une méta qui est super intelligente. Hein. C'est du bourrinage, en gros. Et puis voilà. C'est du full bourrinage. Mais comme vous voyez, Milo a fait clairement la diff. Eh, il est résistant son Shonades, hein, dis donc. Et Miyu qui vient terminer avec ses 52 000 de dommages. Donc comme vous voyez, le Milo, ouais, a réussi à m'assurer l'early. Alors d'habitude, il banne soit l'un, soit l'autre. Il arrive aussi que, comme là, il banne Shonades en fait. Donc dans ce cas-là, j'ai les deux, je les prends. Alors là, je n'ai pas utilisé Yoga Pog. Ça aurait pu être un problème dans le sens où j'ai l'habitude de rediriger les attaques avec mon Yoga Pog vers mon Misty. Ou des fois vers le cocon même de Miyu. Pour tout simplement que les gens se prennent l'acide. Là, j'ai eu pas mal de chance parce que deux fois le Milo adverse s'est pris l'acide. Faut savoir qu'il tape deux persos au hasard. Donc il s'est pris l'acide malheureusement deux fois et il est mort. Ça m'a beaucoup aidé pour ce fight, je vais pas vous mentir, j'ai eu assez de chance à ce niveau-là. Après, je crois que Iki, je l'ai pas taunt. Je sais même pas en fait, je sais plus si je l'ai taunt ou pas. Mais ouais, j'ai eu assez de chance à ce niveau-là. Et puis voilà, Milo a assuré l'early, Miyu le late game. Et comme vous voyez, c'est assez solide, ça fait énormément de dommages. Et Shonades, il va apporter beaucoup de heal qui va permettre à Miyu d'évoluer plus facilement.
Le Milo adverse avait moins de vitesse et il avait chaîne Hades, donc vous voyez bien qu'au début quand je frappais c'était des coups blancs qui servaient à rien. Parce que tout simplement le Milo se soignait de tout ce que je lui infligeais, mais ça me permettait à moi de faire évoluer mon Miu de mon côté plus vite. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à me le faire savoir dans les commentaires, ça me ferait grave plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah n'hésitez pas, c'est juste là, tac tac, activez la cloche, tout ce que vous voulez pour recevoir les notifs. On live tous les samedis à 14h sur Twitch. Et spécialement le samedi, c'est SNC Awakening, c'est ce jour de la semaine où c'est ça. Donc je vous invite à venir, on fait plein d'autres trucs cool, mais le samedi c'est ça. Donc le jour où je posterai ces vidéos, ça sera l'après-midi même. Je vous souhaite une bonne soirée, bon courage, ciao ciao, à la prochaine.